Pour retourner à Dazar'alor, quoi. Donc ça, c'est un petit peu le truc qui me chiffonne. Voilà, donc on va continuer. Quoi qu'il en soit, moi ça fait de toute façon 3 heures que je tourne en vrai, donc je vais plutôt... Je pense que je vais m'arrêter là. Oh, je continue un tout petit peu, mais j'ai vraiment hâte d'aller récupérer ma troisième étoile pour mes sacs. Et puis, j'étais sûr que c'était avec ici. Bonjour, vous. Mais c'est pas grave. Vous pouvez choisir une des récompenses suivantes. Attends, si... Attends. Bonne route à vous. Sûr que non, parce que j'ai forcément vu un truc. Najatar, voilà. Le vendeur, c'est... Alors, j'ai Dazerian. Et j'avais vu autre chose. Donc, de toute façon, je dois bien apprendre ici quelqu'un. Ici, pareil, c'est à Volden qu'il faut que j'apprenne. Et là, c'est à Nazmir. J'ai des choses à apprendre à Nazmir, mais je suis passé à côté. Et ici, apparemment, à Zul'Dazar aussi. Nazmir, Zul'Dazar et Volden. Ok. Bon, bah, écoutez. Pas trop quoi vous dire. Mais ok, d'accord, ben je retournerai à Volden alors. Bref. Anar Amenos. La puissance qui aime. Ah oui, mais non, non. Testez, C'est ce que je vais. observez, Excusez-moi, résultat, voilà. recommencez. Donc ici, on est bien d'accord, il y a Dazer. Dazerian. Dazerian, je vais appeler comme ça. Dazerian. Attendez. Il y a 2 R, hein, je crois. Parce que je l'ai lu. Non, c'est 2Z, 1R. Dazerian. Il est où ce PNJ? C'est ça, le refuge. Dazerian, alors. Est-ce qu'on a ce PNJ? Est-ce qu'on a ce PNJ? Est-ce que c'est pas lui là-bas? C'est lui, donc j'étais bien sur lui tout à l'heure. J'ai quelque chose qui vous intéresse? Mais tout à l'heure, j'ai pas pu acheter quoi que ce soit, alors que, en toute logique, je devrais avoir des choses qui sont achetables. C'est parce que je n'ai pas la couture nécessaire pour Zandalar. Ok, il va falloir que j'augmente ma Portez-vous bien. couture. Ok, très bien, d'accord. Ok, c'est bon. Donc, c'est bon. Je m'y retrouve. Donc, à l'épisode. Voilà. Après la prochaine coupure, je m'occupe de ça. Enfin, voilà. Allez, hop. Avez-vous fait une découverte? Alors, la puissance qui émane de cet endroit va nous permettre d'ouvrir un portail de retour. Génial, c'est ça que je voulais. Je vais avoir besoin de votre aide. Que dites-vous de cela? Vous allez me servir d'assistant. Bien, suivez-moi. Et contentez-vous d'agiter votre cœur d'Azeroth. Je me charge du reste. Ok. Telle Oh, Valar! Tunette, je suis ravie de vous voir ici. Azshara Valadash, bloque les sorts de Malanoré. téléportation. Nous devons trouver une faille dans sa défense. J'ai exactement ce qu'il vous faut, Talisra. Venez, vous me servirez d'auxiliaire. Ok. Normalement, le marcheur des Si esprits. nous unissons nos forces, nous pourrions ouvrir un portail vers Zul'Dazar sans qu'Azshara ne le remarque. Le marcheur des esprits, Ousso, m'a... Nous y voilà.
Une infime partie du pouvoir du cœur d'Azeroth devrait suffire à stabiliser le passage. M'a fait part d'une vision troublante. Elle concerne Ben Sabo de Sang. Ousso souhaite s'entretenir avec vous au plus vite. Revenez me voir. Ensuite, nous aurons sûrement beaucoup de choses à nous dire. Ouais, disons que Bane... La Horde nous donne la force. Il s'est passé des choses avec Bane. Il s'est passé des choses. Oui. Mais, comme vous aurez les esprits. J'ai eu une vision de Bane. Il était emprisonné, abattu et entouré d'ennemis. Une silhouette émergeait de l'ombre. Haineuse, vindicative. Le chef de guerre. Puis elle donnait l'ordre de mettre fin à la vie de Bane. Les esprits murmurent que cette vision se réalisera avant le prochain lever du soleil. Par le puits de soleil, nous devons empêcher cela. La reconstruction se poursuit. Sylvanas va exécuter Bane. Plus jamais un roi ne régnera sur l'une d'argent. Bah ouais, enfin c'est plus ou moins... mais on y a déjà plus ou moins assisté à ça. Sylvanas, c'était mon général à la tête des forestiers. Je lui ai voué le plus grand respect pendant des millénaires. Et je ne prends vraiment pas cette décision à la légère. La mort de Bane signerait la fin de la Horde. Jamais les Tauren ne l'accepteraient. Et leur départ en entraînerait bien d'autres. J'en ai la certitude. Nous devons sauver Bane, pas seulement pour lui, mais pour la Horde tout entière. Je ne peux qu'espérer que nous pourrons tenter de faire entendre raison à Sylvanas une fois que nous ne serons plus pressés par le temps. Mais j'ai constaté des alliés qui nous prêteront main forte. Retrouvez-les dans la faille de l'ombre. Je me souviens plus. Elle ne l'avait pas exécuté, Bane. Elle l'avait juste emprisonné. Donc oui, donc elle prévoit de l'exécuter. Notre Bane Sabot de Sang incarne le meilleur de la Horde. Nous ne pouvons pas rester ici les bras croisés et le laisser mourir. Une chose est certaine. Quand le chef de guerre apprendra notre trahison, son courroux sera vif et terrible. Au final, nous devons tous choisir notre voie. Et ce choix sera porteur de conséquences. Bon, je vais d'abord m'occuper du portail. Hein. Parce que là, je suis emmerdé. Là, je vous avouerai être emmerdé parce que d'un côté, j'ai envie de rester fidèle à Sylvanas parce que c'est un petit peu le caractère que j'ai choisi pour mon personnage. Bon. Ben voilà qui est pas mal. Bonjour, vous. Alors, qu'est-ce qui me rapporte le plus de mailles? Ben, pas grand-chose, en fait. En fait, peu importe, hein. Je prends de la robe, on s'en fout. Sachez respect. Un calcul élémentaire. Enfin, arcanique, pour être exact. Pardonnez-moi cette imprécision, je suis un peu en dehors de mon élément, c'est aussi. Bon, je ferai mieux de me mettre au travail. Bonne chance. Ok. Azeroth pleure de douleur. J'ai des nouvelles du tonnerre champion. Je sais que vous êtes dans les nagas. Je sais que vous êtes dans les nagas jusqu'à la barbe en ce moment, mais il faut que vous rappliquiez Fissa à la chambre du cœur. Dame a enfin fini ses calculs et elle a une petite idée sur la suite des opérations. Pourriez-vous de revenir à Silithus? Azeroth a besoin de vous. Bah pourquoi pas, tiens, ça nous changera un petit peu. Hello, Dame a un nouveau plan pour sauver Azeroth. Retrouvez-moi dans la chambre du cœur au plus vite. Ok, bah direction Silithus alors.
Bien, 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 bien. Oh, génial, j'ai un portail direct vers Silithus en plus. Ouais, sauf que je dois être en mode... non. Parce que Silithus, j'avais pris l'option pour pouvoir avoir l'ancienne version. Parce que j'y étais pendant quelque temps pour augmenter de la répute. Ah non, c'est bon, je suis bien dans la bonne version. Ok. Ravi de vous voir. Lame d'Azeroth. Ok. Continuer. Récompense, ok. N'oubliez pas votre devoir envers Azeroth. Vous n'avez pas l'objet requis. Ah oui, ok, oui, d'accord. Je dois d'abord aller dans le cœur, dans la chambre. Je pensais que c'était instancié, ça, qu'on pouvait pas être plusieurs, nous non? Voilà! Depuis votre dernière visite, nous avons fait des travaux dans la chambre du cœur. Ok, super. Sauf que je sais pas du tout qui est dame, mais c'est pas grave. Je parle pour Azeroth! Okay. On se remet au boulot! Maintenant que cette chambre ne risque plus de tomber... De nous tomber sur le coin du casque, on va pouvoir se concentrer sur la puissance du cœur. Dame dit qu'elle a fini ses calculs compliqués. Allez lui en toucher deux mots, champion. Voyez s'il y a moyen de renforcer encore un peu plus l'incroyable cadeau qu'Azeroth vous a fait. Pour Azeroth. Niveau de contamination acceptable. Ok. L'installation de chambre du cœur a été réhabilitée et entièrement opérationnelle. Qu'avez-vous découvert? Dame, dites-nous ce que vous avez découvert. Dégénérescence de l'unité planétaire Azeroth vers l'effondrement final. Évaluation. Inversion possible du phénomène par amplification du cœur d'Azeroth. L'amplifier ? Comment ? Imprégnation du cœur par des essences magiques capables de soigner l'unité planétaire Azeroth. Exemple, énergie conférée par les gardiens des titans aux formes de vie draconique primitive. Les aspects dragons ! Mais ils ont donné toute leur puissance pour sauver le monde d'Eldemort ! Les rapports indiquent l'agglomération de nombreuses autres essences compatibles en différents lieux. Récolte de ces essences nécessaires pour renforcer le cœur d'Azeroth et son porteur. Nous avons un indice pour trouver la première d'entre elles. Vous me suivez? Oh, tu es moi. D'accord, à mon avis, je dois. Ce que j'ai pas vu, mais ok, d'accord. Vous sollicitez une expérimentation?
matrice de prise de congé introuvable. Ah, pitié, sortez-moi de là. Manifestation des sens draconiques détectée, lieu Uruk. Oh non. Non. Non, je veux pas retourner là-bas. Non, pas envie. Non, 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 sérieusement, Légion, j'ai assez donné. Non, déjà que j'y retourne régulièrement pour monter de la répute, j'ai pas envie, non. Oh, fait chier. En cas de récupération, mes calculs indiquent une probabilité de 92,7% de renforcer le cœur d'Azeroth. Théorie, la combinaison d'essence draconique est d'une quantité suffisante d'azérite dans la forge et susceptible de provoquer au sein du cœur la manifestation de la capacité jusqu'ici inconnue. Comme dirait l'orateur Mani, au boulot champion. Protocole de séparation. Désignation des coordonnées au roc. Origine de l'essence inconnue. Prudence recommandée. Les relevés indiquent des niveaux d'instabilité souterraine extrême. Elle va m'y envoyer, c'est ça? Accès à la base de données des salutations. Oh, je veux pas. Je veux tellement pas y aller. Les mobs sont chiants là-bas. Il y a quasiment que des élites, c'est toujours... Et puis surtout Uruk, quoi. C'est surtout Uruk, quoi. La région est pas mal buggée. Ça charge. Je crois qu'en fait, j'y suis pas retourné depuis que j'ai réinstallé le jeu, quoi. Je crois bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Ouais, puis tourne-moi le dos, y a pas de souci. Je crois qu'un individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Cette game, moi aussi j'ai senti quelque chose émaner des profondeurs de la montagne, dans les grottes qui servaient autrefois de repère à Neltharion. Enquêtons ensemble. Navarog peut nous mener directement à la source de ces perturbations. J'attendais votre arrivée. Tous nos espoirs reposent sur vous. Prenez ma main. Sous nos pieds se trouve l'ancienne demeure du dragon Neltharion, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Eldemort. Ouais. Si votre amie, la gardienne Titan, a détecté la coalescence, coalescence d'une essence de magie draconique par ici, il pourrait s'agir d'un écho des vols. Une telle puissance risque fort de susciter bien des convoitises, cette force trouve certainement sa source dans la zone de la tanière où reposent les ossements de mes semblables tués par la fureur d'Eldemort. Nous devons nous y rendre avant que l'essence ne tombe entre de mauvaises mains. Parlez à Navro pour vous rendre à l'échine du dragon. Dans le repère de Neltharion. Cette guerre sera gagnée par quelques champions, pas par des armées. Ah d'accord, ok, non mais pourquoi pas, hein.
On est juste à côté d'une instance, alors ouais, ok. Je savais que vous viendriez. Tous nos espoirs reposent sur vous. La situation est manifestement critique ici. La puissance du vol draconique noir résonne tout autour de nous et met à mal la terre même. J'ai entendu parler de l'ouverture de pareilles fissures à Kultiras et Zuldalar. Zandalar, pardon. Leur présence a engagé des élémentaires. A enragé les élémentaires qui nous empêchent d'atteindre l'essence. Ces plaies doivent être refermées si nous voulons préserver le fragile équilibre qui règne ici, M. Dieu Normand. C'est les fissures d'Azérit dans les Chines. Cette guerre sera gagnée par quelques champions, pas par des armées. Qu'attendez-vous de moi? C'est ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois buter ça Seigneur de pierre du Tréfonds, c'est pire que ce que je craignais. Ces créatures se sont toujours montrées hostiles envers le vol draconique noir. Attendez, hop. Là, j'ai un truc là. Ah, d'accord, ok. Hop. Ok, d'accord. Donc, j'ai pas vu, mais là-bas. J'allais dire, je peux pas remonter, mais si. J'étais un petit peu gourmand. J'étais trop gourmand. Heureusement que je suis en instance. Un seigneur de pierre du Tréfonds. C'est pire que ce que je craignais. Ces créatures se sont toujours montrées hostiles envers le vol draconique noir. J'allais dire, je me suis fait... Bon, puis pas de loot avec ça, sinon c'est pas drôle. Ah, là-bas, je l'ai... Oui, je l'ai oublié, là-bas. Oh, mais tirez-vous. Mais regardez ça, ça tape à 5000. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais ça tape à 14 000, 17 000. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Oh purée, je te jure.
un seigneur de pierre du Tréfonds. C'est pire que ce que je craignais. Ah, tu te répètes. Ces créatures se sont toujours montrées hostiles envers le vol draconique noir. Quatre sur quatre, allez, vas-y. Je crois qu'un individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Bon, à présent que les plaies se sont refermées, je vais mettre... Ok. Vas-y, j'ai essayé de le descendre quand même. Mais ça. Mais il tape fort hein, l'enfoiré. Bon. Je savais que vous viendriez. Alors, à présent que les plaies sont refermées, je perçois clairement l'essence draconique. Malheureusement, elle semble émaner du géant terrestre qui se dresse devant nous. Ok. Je vais m'entretenir avec lui en espérant qu'il accepte d'entendre raison. Mais soyez parés à toute éventualité. Quand Eldemort a brisé le pilier du monde dans le Tréfonds, il s'est attiré le courroux de la pierre mère et de ses partisans. Je crains que cet être ne me tienne pour responsable des crimes de mon père. Okay. Cette guerre sera gagnée par quelques champions, pas par des armées. Seigneur de pierre, je suis Corne d'Ébène, protecteur de Hauroch. Nous sommes venus chercher l'essence qui est en votre possession. Je vous connais, dragon. Engeance du brise-monde. Vous êtes indigne d'une telle puissance. La folie de mon père n'est pas mienne. Nous avons besoin du pouvoir de cette essence pour protéger Azeroth. Alors, affrontez-moi. Éprouvez votre valeur. Très bien. Nous acceptons votre défi. Soyez broyés par l'étreinte de la terre. Soyez broyés par l'étreinte de la terre. Non mais, oh, tu vas me laisser quand même attaquer un petit peu, s'il te plaît. Je te jure. Soyez broyés par l'étreinte de la terre. Ah, oh, c'est pas vrai, dès que... Ok, va falloir que je me fasse tous les mobs avant de l'affronter, parce que sinon Soyez broyés par l'étreinte de la terre. Soyez broyés par l'étreinte de la terre. Soyez broyés par l'étreinte de la terre. Je n'aime pas
cet endroit. Je vais pas avoir le choix, il va falloir d'abord que je nettoie le terrain. Parce que les autres mobs ils font chier. Non, non, mais ça tape à 20 000. Sans problème, quoi. C'est pas. Voilà, c'est pas. Non, non, c'est pas comme si c'était quasiment impossible. Pas grave. C'est bon, ça le fait. Je vais y arriver. Youhou! Allez, c'est bon, c'est nettoyé. Soyez broyés par l'étreinte de la terre. Soyez broyés par l'étreinte de la terre. Allez, il a pas tout à fait 1 million de points de vie. Juste qu'il est résistant. Et qu'en plus, vu qu'il se répète beaucoup, il est super agaçant. C'est bon, ça se fait mieux là. Soyez broyés par l'étreinte de la terre. C'est bon. Eh ben, nom de Dieu. Assez. Soyez broyés par l'étreinte de la terre. Joli combat. L'essence vous revient de droit. Assez. Je me soumets. Et vous avez fait vos preuves. Attention. La pierre. J'attendais votre arrivée. Vous joli combat. L'essence vous revient de droit. Alors, manipuler une essence magique, vol dragonique noir, n'est pas sans risque, MDG normand,
Mon vol a été le jouet de forces ténébreuses par le passé. Je dois à mes frères défunts de veiller à ce que notre puissance ne soit plus jamais mise au service du mal. J'aimerais vous accompagner et rencontrer vos alliés, je sais pas. Mes connaissances vous aideront peut-être à utiliser cette essence pour défendre notre monde. Ok, Tous nos voilà. espoirs. Je vous retrouve dans la chambre du cœur. Nous discuterons plus amplement de l'essence et de son rôle. Ok, super. Et je retourne à Silitus par mes propres moyens, c'est ça? Allez, c'est parti. Oui, ma pierre de foyer est toujours à 7 ans. Je l'ai déplacée pendant un temps, puis je l'ai remise là. Ok. Et donc, Silitus. Vous aussi, pensez à bien vous hydrater. Ok, allez, on retourne dans la chambre. Je crois qu'un individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Vous êtes de retour et vous m'amenez un tauren? Présence draconique détectée. Désignation. Ébition, vol draconique noir. L'absence de corruption suggère une faible menace. Ah, enfin, dragon noir qui n'essaye pas de tuer tout le monde. Ébition, c'est ça? Moi, c'est Mani Barbe de Bronze. Salutations, orateur Mani. Sous ma forme tauren, on m'appelle Corne d'Ébène.
Comme l'a indiqué l'assemblage, je suis ici pour vous aider. Avez-vous récupéré l'essence que Dame a détectée ? Neldarion était autrefois chargé de la protection d'Azeroth. Il m'incombe de perpétuer cet héritage à l'aide de l'essence. Vous comprenez l'essence bien mieux que nous, Corne d'Ébène. Votre aide nous sera très précieuse. Attends, parce que, en fait, avant d'être un tauren, c'était un dragon, lui? Ah, excusez-moi, j'avais pas vu. Ces pierres ont une histoire à raconter. Ok, super, et... Notre monde a besoin de nous. Notre monde doit être soigné. J'attendais votre arrivée. Cette guerre sera okay. Gagnée par quelque chose. Niveau de contamination acceptable. Augmentation des niveaux d'énergie de la forge en présence d'essence de dragon noir. Recommandation, initier la séquence d'activation du cœur d'Azeroth. Séparation confirmée. Activation de la forge. Alors, attendez, je regarde juste un truc. Je regarde juste... Je vois. Cette forge débloquera la puissance de chaque essence. Que la puissance du vol draconique noir vous aide à rétablir ce monde. Ok, donc de toute façon il faut que je parle. Je regarde juste rapidement l'état de mon disque dur. Juste un instant s'il vous plaît. Tac 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 tac. On est large. Écoutez, d'après Windows, on est large. Donc Vous sollicitez une expérimentation ? Au milieu je suppose. Non, c'est pas ça. Non. Oh. Ok, je pense que je me rends à elle. Accès à la base de données des salutations. Bienvenue. Forge 1, hein. Activer la forge 1 qui peut être utilisée pour imprégner le cœur. Ok. Protocole de séparation activé. Forge du cœur activé. Lancement de la séquence d'harmonisation finale en attente d'une interaction de la part de l'unité championne MDG normand. Prise de congé introuvable. Hop, excusez-moi, ça a été interrompu. Voilà, ok. Ok. Clé sur cette aisante, libre. Pour activer le pouvoir principal, ok. Et ici, il me faut le niveau 62. Ici. Non, mais je peux pas là, enfin. D'accord, ok. D'accord. On va plutôt le mettre là. Et ici, il va falloir que je découvre autre chose. Ok. Ok, donc visiblement je dois rendre à Mani. Ces pierres ont une histoire à raconter. Ok, maintenant que tout est sous contrôle par ici, je mettrai ma barbe à couper que Najatar cracherait pas sur votre aide. Vous sentez l'appel du large ou plutôt des grands fonds. Allez donc donner un coup de main à nos nouveaux amis. Retournez au refuge de Najatar.
Ok, oh, un placement. D'accord, oui, ok. Ok, je peux y accéder comme ça. Ok. Seulement, bah, j'ai pas d'autre essence, quoi. Ok. Donc ça viendra plus tard. Ok. Alors, autre chose, parce que je suppose que c'est bon, hein, vous le verrez plus. Le ending à la JoJo's Bizarre Adventure, je l'ai arrêté. Enfin, je l'arrête au niveau 100. À l'épisode 100, je veux dire. Je l'arrête à l'épisode 100. Parce que ça n'a plus vraiment d'intérêt après. Enfin, c'est. Voilà quoi. Je parle pour Azeroth. Ok. On se remet au boulot. Pour Azeroth. Ok, donc. Et pas l'objet. Ah, c'est d'accord, ok. J'ai un objet qui. C'est quoi l'objet? Je dois avoir un truc, lame d'Azeroth. Ravi de vous voir. Objet requis, lame d'Azeroth. Ok, d'accord. Ok, donc ça doit être dans mon coffre de banque et je l'ai pas vu. Bon. De toute façon, je vais m'arrêter là et je vais retourner à Volden pour apprendre ce dont j'ai besoin. Protéger Zul'Dazar est notre priorité numéro un. Nous ne pouvons permettre à l'Alliance de s'introduire dans la ville. Repoussez-les jusqu'à leur bateau. Ok. Alors attendez, excusez-moi, hein, je termine juste ça par contre. Savez-vous qui je suis? Alors, je vais avoir besoin. Il y a trop de trucs là-dedans, honnêtement, faudrait que je fasse le tri. Tac, tac, tac. Ah merde, je suis aveugle ou comment ça se passe? Là, j'ai besoin de ça. Et la fameuse lame. Je dois forcément l'avoir là. C'est dingue ça, je le vois pas. Ou alors c'est juste buggé. Parce que je vois pas la fameuse lame, je la vois pas dans mon équipement. Bref, c'est pas grave. Allez, écoutez, on se quitte ici. Moi, je vais donc à Je vous Volden protège. pour aller apprendre mon mes sacs.